Je suis content de venir après plusieurs années d'absence au Maroc, liées à la pandémie. J'avais fait un petit passage au mois de mai dernier. Et c'est vrai que c'est un moment où on perçoit peut-être encore plus qu'avant la spécificité du Maroc en Afrique comme partenaire, parce que voilà, on se trouve en situation difficile ailleurs. Malheureusement, un certain nombre d'incompréhensions. Un certain nombre d'incompréhensions qui ne visent pas d'ailleurs simplement, enfin, en ce qui concerne du point de vue français, pas simplement le Maroc, mais je dirais l'ensemble des pays africains et l'ensemble des pays d'Afrique du Nord. Moi, j'ai réagi très vivement, mais je dirais presque en communauté d'esprit avec beaucoup de personnes en Afrique du Nord sur les déclarations sur les visas. Du ministre de l'Intérieur l'année dernière. Les laissez-passer consulaires sont un sujet, mais il faut créer des mobilités légales, répondre et respecter le droit européen lorsqu'on délivre des visas. La manière dont les choses se sont passées l'année dernière n'était pas normale. Et par conséquent, c'est assez révélateur, finalement, de l'incompréhension qu'un certain nombre de responsables politiques ont des besoins, des attentes et de la manière dont on nous regarde au sud de la Méditerranée. Et ça, c'est profondément dommage. Je crois qu'on a vraiment besoin de retrouver des relations de confiance, des relations où on se comprend. Et pour cela, on a besoin aussi de pouvoir avoir des interlocuteurs, des pays stables, des pays où l'État fonctionne. Et ça, c'est une situation qui doit être, je veux dire, remarquée et appréciée au Maroc. Et donc, avec le Maroc, on doit pouvoir faire les choses parce qu'on peut se comprendre, c'est rationnel, il y a un État qui fonctionne, il y a des interlocuteurs, c'est stable. Et par conséquent, on peut construire des politiques de long terme. Et je crois que plutôt que de jouer l'opinion publique comme l'ont fait un certain nombre de gouvernements sur les questions migratoires et puis en cassant finalement tout le reste de la relation, c'est profondément dommageable. Nous avons vécu effectivement une crise majeure il y a quelques années avec le Maroc, que nous avons dû surmonter parce que la coopération sécuritaire entre nous est indispensable. Il faut pouvoir continuer, il faut pouvoir retrouver ça. Et je pense que, en plus, franchement, je veux dire, si on n'y arrive pas avec le Maroc, avec qui on y arrivera en Afrique ? Nous sommes en Europe lancés dans un grand plan d'ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce plan n'a aucun sens si finalement il ne s'accompagne pas de politiques complètement en adéquation avec ses orientations pour tous nos voisins. Parce que ce soit en matière d'échange économique, que ce soit en matière d'énergie, que ce soit en matière de coopération en matière d'énergie renouvelable, que ce soit pour faire en sorte que lorsqu'on met une taxe carbone aux frontières, c'est pas pour taxer les industries qui tournent de l'autre côté de nos frontières, que ce soit ici, que ce soit en Turquie ou autre. Il faut aussi pouvoir accompagner ces évolutions vers des industries plus écologiques. Et ça demande une bonne coopération entre l'Union européenne et le Maroc en particulier, parce qu'on peut vraiment construire des choses ici. En matière de coopération économique, le Maroc est un partenaire majeur. Un partenaire qui se développe, c'est un partenaire stable avec lequel les entreprises savent qu'elles peuvent, elles peuvent travailler. Un partenaire ouvert, ce qui n'est pas nécessairement le cas des voisins. Et un partenaire avec lequel, parce qu'il y a aussi un réseau bancaire marocain qui est important et qui diffuse dans l'ensemble des pays africains, un pays avec lequel, finalement, lorsqu'on sait travailler au Maroc, on est capable de travailler dans d'autres pays. Parfois, de ce point de vue-là d'ailleurs, aujourd'hui, les banques marocaines sont les banques qui sont celles avec lesquelles il est le plus facile de travailler sur l'ensemble du continent africain, parce qu'il y a de moins en moins de présence de banques françaises ou de banques européennes. Voilà, donc le Maroc prend cette place petit à petit. Et je crois que les entreprises, qui sont souvent plus vives que les États à se rendre compte des évolutions, l'ont bien compris. Sur la question des visas, sur la question des mobilités, sur la question des migrations, on a besoin de dépasser finalement les expressions un peu populistes que certains responsables politiques ont en Europe. Il faut vraiment arriver à travailler, construire sur une relation de long terme. On ne peut pas simplement s'appuyer sur la relation historique. La relation historique, elle dure le temps des générations.
Et les générations, et en particulier en Afrique, voilà, elles changent. La moyenne d'âge d'un certain nombre de pays africains est assez basse par rapport à la moyenne d'âge en Europe. Et par conséquent, c'est pas parce qu'il y a 50 ans des choses se faisaient qu'on peut continuer à les faire. Et il faut arriver à développer un certain nombre de nouveaux partenariats dans une confiance qui ne s'appuiera pas nécessairement sur les acquis ou les choses qui se sont faites dans le passé. Donc c'est pour ça que la question de la mobilité, elle est importante. Parce que la question de la mobilité, vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un si vous ne venez pas chez lui. Et donc, s'il ne peut plus y avoir ces échanges, ces visites entre l'Afrique et l'Europe, les deux continents, alors qu'ils ont vocation à travailler, puisqu'ils sont voisins, à voyager, et ont été même finalement le même espace de civilisation, vont plus arriver à se comprendre, et on va vers des difficultés. Alors que si on arrive à se comprendre, on peut vraiment arriver à faire des choses fantastiques ensemble.